Today we're going to be speaking about harassment in the workplace. And during this presentation, we're going to talk about the applicable legal framework, both in Quebec as well as it relates to federally regulated businesses. So for Quebec, I will talk about the Act Respecting Labor Standards as well as the Charter of Human Rights and Freedoms. My colleague Patrick will then talk about the Act Respecting Industrial Accidents and Occupational Diseases as well as the Civil Code of Quebec. And then Jeremy will speak about the federally regulated businesses under the Canada Labor Code and the Canadian Human Rights Act. We will then have a discussion about the investigation process, and we will touch upon some recent case law, which will be of interest to all of you. So firstly, as it relates to the Act Respecting Labor Standards. So under the Act Respecting Labor Standards, there is a specific definition of psychological harassment in the law. Now, there are four components of the definition of harassment which must be established in order for the tribunal to ultimately deem that there was harassment in the workplace. So firstly, it must be shown that there is a vexatious behavior and which is repetitive in nature. So essentially, what must be shown is that a reasonable person in the same circumstance would not find the behavior to be appropriate within the context of work. So what is typically proven in this component is that the behavior was deemed to be humiliating or offensive or abusive for the person on the receiving end. Essentially, what needs to be demonstrated is that the behavior actually injured or had an effect on the person's self-esteem and caused the individual anguish. In terms of being repetitive in nature, when you consider a behavior or a comment or a gesture on its own, it may seem innocent, but it really is the accumulation of all of such behavior or comments which may ultimately be deemed harassment in the workplace. Now, interestingly, the definition of harassment under the Labor Standards Act does indicate that even a single incident can amount to harassment under the Labor Standards Act if it's deemed serious and if it has a lasting harmful effect for an employee. So although we talk about it being repetitive, there are very serious circumstances which can amount to harassment even if it's only one incident. The second component is that the comments, gestures, or behaviors in question must be considered hostile or unwanted. What is important to note on this point is that if, for example, the behavior is sexual in nature, it's important to note that it could be considered harassment even if the victim did not clearly express refusal. So something being hostile or unwanted doesn't mean that the victim itself has to have said that it was hostile or unwanted. Thirdly, the third component is that it must affect the person's dignity or integrity. So in other words, the harassment had to have had a negative effect on the person. So the person felt, put down or belittled or disparaged, both from a personal and a professional level. And there is also a possibility that the physical health of the harassed person that the individual did suffer from a physical perspective as well. So it could be psychological, but it can also be physical. Fourth is the harassment must result in a harmful work environment for the victim. So for example, the harassed person may be isolated from his colleagues due to the hostile behavior or comments, ultimately it's, as I said, we'll have to show that it resulted in a harmful work environment for that individual. So what's important to also note is that until recently, our legislation did not explicitly include sexual harassment in the definition of psychological harassment. However, since there's been changes to the legislation, there is now an express inclusion of this in that any behavior in the form of verbal comments, actions, or gesture of a sexual nature is now included explicitly, as I said, in the definition of psychological harassment. So in the past, although this was included by virtue of the case law, now there's an explicit reference in the law. So what's important to come from all this? So the employer will have to show that these four elements were present in order to ultimately prove to the tribunal that there was psychological or sexual harassment in the workplace, and of course always in reference to the reasonable person standard.
Now, there are, of course, examples where the individual themselves might believe that there was harassment, but ultimately, if it's proven that there's poor personal relationships or situations of conflict at work or the employer exercising their management rights, it's very possible that ultimately it will not be deemed to be harassment. We'll touch upon this a little bit later on. Next slide is we want to talk about what are the employer's obligations. So the employer's obligation is to provide a workplace which is free from harassment. Now, this protection applies in the both unionized and non-unionized settings, and it applies to all levels of employees in the workplace, which includes upper management. So the obligations imposed by the employer is twofold. One, they need to ensure that they prevent harassment through reasonable measures. So what does this really mean for all of you? One, it means that you have to have a policy in place. The policy needs to touch upon all forms of harassment in the workplace. And what's extremely critical is that it's not sufficient for the employer to just have a policy. What's important is that the policy actually be implemented and include concrete measures in it to put a stop to harassment and minimize any harm that's caused to any employee. So having a policy and implementing it is number one. Two is training. So it's very important that the employer provide adequate training to the employees. And this again goes to every level of employee. So it's anywhere from director, managers, employees, whether you're upper management or lower, all employees should be given training in order for the employer to be able to show that they've done what they had to do to prevent harassment. And thirdly, there should be a very clear complaint mechanism and effective internal procedure that's available to the employees, again, so that the employer can show that they've fulfilled their burden to prevent harassment. So policy, training, and a complaint mechanism. Second is the employer has an obligation to put a stop to harassment when it's brought to their attention. Now, the idea of turning a blind eye or ignoring any allegations is just not acceptable anymore. Not that it was acceptable so much in the past, but even more so now. It is critical that the employer investigate any matter, and even if it's minor allegations, it might not result in the same type of investigation, the length, etc., or the result of the investigation. But all allegations should be taken seriously. The employer should conclude the matter and impose any measures if necessary. Lastly, we just wanted to point out, of course, we're in the age of COVID. There's a lot of people working from home or working from different environments. And it's just important to point out that the concept of workplace, so when we say psychological harassment in the workplace, it's not restricted to a physical office. It really includes all remote locations or actually any location in connection with work. So for example, we get these calls at the end of the year every year is a Christmas party sponsored by the employer. Of course, those are situations where the employee is not necessarily physically present at work when something can happen, but it would still be considered the workplace for the purposes of this analysis. So really the rule is that the employer must prevent and put a stop to harassment in any work-related situation without regard to the employee's physical location. Now, what's very important is that if the policy is silent on the definition of workplace, so it's possible that to be included in detail, but it is best to always take a very broad interpretation of the word to include working from home, as many of us are right now, and any other location where there is a connection to the work. Next, we're going to talk about the recourses. So for non-unionized employees, they can file a complaint with the Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, so the CNESST. The complaint must be filed in writing. And with the recent amendments to the Labor Standards Act, the complaint must be filed within 2 years of the last incident of psychological harassment. It used to be 90 days, now it's 2 years. So it's very important for employers to hold on to any documentation or anything relating to allegations of harassment for at least 2 years in the event that a complaint is filed by the employee.
So once the complaint is filed with the CNAST, very briefly, the CNAST will look at the complaint and ensure that it was admissible, that it's an employee in Quebec, that the allegations have occurred within the last 2 years. The parties will be given an option to go to mediation at that point. And that is, of course, a voluntary process. If the parties go to mediation and they resolve, well, then the complaint would be closed at that point. However, if they are unable to resolve a mediation or choose not to go to mediation, it will proceed to the investigation stage with the CNESST, who will then decide whether or not they believe that there is a foundation to the complaint and whether or not the complaint should be transferred at that point to the tribunal. If the CNESST decides to do so, it will be transferred. If not, the CNESST can refuse to forward the complaint, at which point an employee will have 30 days following the CNESST's decision to make a written request to have the complaint referred to the tribunal. Second, we have recourses available to unionized employees. So as we all know, the provisions of psychological harassment in the Labor Standards Act are deemed to be an integral part of every collective agreement. So the unionized employee can file a grievance according to the terms of the collective agreement. However, they would be subject to the same minimum rules as set on the Labor Standards Act. So most importantly, the rule of having to file this grievance within 2 years would apply in the unionized setting as well. After that, of course, the parties will follow the procedure set out in the collective agreement as it relates to such complaints. Second, we're going to talk about the Charter. So we could just switch. Thank you. So the Charter of Human Rights and Freedom. So this applies to matters within the provincial legislative authority. So this will not apply to federally regulated businesses, which again, my colleague Jeremy will discuss in a few minutes. So what is prohibited by the Charter? So essentially what the Charter provides is that you cannot an individual would be able to file a complaint under the Charter if they believe that they were harassed on the basis of a prohibited ground of discrimination. So under Section 10 of the Charter, it lists what are the prohibited grounds of discrimination in Quebec. The prohibited grounds will vary by province. So we would have to look at the Charter and determine whether or not it is the harassment is on the basis of a prohibited ground in the Charter in Quebec. Now, there's two essential elements that must be present in order to conclude that there was harassment. One is that the individual must be able to demonstrate that the conduct is vexatious and unwanted. So again, this is consistent with the Labor Standards Act, as I just discussed. So examples of this would be, you know, abusive or hurtful or unwelcome words, which are uttered, but as it relates to somebody's, for example, race or ethnicity or gender, so one of the prohibited grounds of discrimination. Second, what must be demonstrated is that the conduct has a continuing effect over time. So either because it's repetitive in nature or because of the seriousness of the effects that it has on the victim. So to demonstrate the second element, what is very critical is to be able to demonstrate that there's a continuum of behavior. So for this, the harassing acts must generally be repetitive or their detrimental effects that it has on the complainant must be serious. So sort of similar to what I said previously in that typically you would show that there's a continuum of behavior. But it also is possible that there's one single incident which can be deemed harassment if it's deemed to be very serious in nature. A very easy example of this is, for example, inappropriate racial comments, which alone might not necessarily, depending on the circumstances, be deemed to be harassment under the Charter. But for example, if it's accompanied by some physical action, that in itself, or I should say that together, can give rise to harassment. So every situation that must be addressed on a case-by-case basis, but it is possible that it results from one single incident as well. Now, just because it has been shown that an individual is harassing or discriminating against someone, it does not automatically trigger the liability under the Charter.
As I said, it will be very critical to be able to demonstrate that the harassment or the discrimination was related to a prohibited ground. Now, in the event that an individual believes that they have been subject to harassment under the charter, they will be able to file a written complaint to the Commission des droits de la personne. Now, again, every complaint will have to be made in writing. The complaint can be filed by the individual themselves. It can be filed by somebody else on behalf of the victim or even a group of individuals. Now, again, the time frame to file a complaint is within 2 years of the last incident of harassment. So the Labor Standards Act is now in line with the charter in terms of the time frame. Again, there is an investigation process, so the commission will proceed with an investigation. The parties will be given an option to go to mediation. Of course, it's voluntary and the mediation session is confidential. If the parties are able to settle at that stage, then again, the file will be closed. If they're unable to reach a settlement, then it will continue in the investigation process. And the Commission des droits de la personne will decide whether or not it will take legal action on behalf of the individual or if it will refuse at that point. So it follows similar steps to the Labor Standards Act. Next, I'm going to let it over to Patrick. Apologies. So Patrick will talk about the LATMP. Thank you very much, Stephanie, for that very interesting first segment. De notre côté, on va discuter d'un autre aspect du harcèlement. Stéphanie a parlé évidemment de tout ce qui est plainte, alors que lorsqu'on parle d'une lésion professionnelle, on parle plutôt d'une réclamation. Donc c'est une réclamation qui est déposée auprès de la CNESST, mais qui évidemment a un impact sur l'employeur, comme étant employeur assuré, mais aussi avec les autres impacts par rapport à des plaintes qui pourraient être liées aux mêmes éléments factuels. Alors, en ce qui a trait à la LATMP, ce qui est important de se rappeler, c'est que le concept de lésion psychologique pourrait être vu d'un point de vue scientifique comme étant une maladie, mais au sens de cette loi, c'est vu plutôt comme étant un accident du travail. Donc, ça s'insère dans la définition de l'article 2 de la loi, et notamment pour ce qui est de l'accident de travail. Ceci étant dit, ce qui est important de se rappeler, c'est que la notion d'harcèlement psychologique en date d'aujourd'hui n'est pas une notion qui est définie dans la LATMP, donc la loi qui régit l'accident du travail. C'est une notion qui est inférée, comme on l'a dit, par le concept de l'accident du travail. Et par conséquent, celui qui dépose, je pense qu'il y a un petit bruit en arrière, peut-être aller sur mute. Je pense, c'est ça, donc celui qui dépose une réclamation pour accident du travail doit évidemment assumer le fardeau de démontrer que cette personne-là a été exposée à quelque chose qui est totalement imprévu et soudain et qui forcément n'est pas une situation qui est normale dans le contexte du travail. Alors, ce qu'on dit généralement lorsqu'on parle de imprévu et soudain, imprévu veut dire quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui n'est pas annoncé, quelque chose qui n'est pas dans ce qui est raisonnable d'attendre dans un environnement du travail. Et lorsqu'on parle de soudain, c'est quelque chose qui va arriver de façon un peu brusque, de façon instantanée, etc. Alors, de façon générale, lorsque un réclamant dépose une réclamation pour accident du travail alléguant une lésion psychologique, ce qu'on va aller voir, c'est: est-ce que ce qui est allégué fait partie de l'exercice normal du droit de gérance? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'expectative normale du travail? Et dans un cas comme celui-ci, forcément, la réclamation serait refusée. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'une lésion psychologique peut découler d'un événement traumatique
qui est imprévu et soudain, mais ça peut aussi découler d'une série d'événements qui, dans leur ensemble, constituent des événements qui pourraient être ensemble traumatiques. C'est ce qu'on appelle la théorie des micro-traumatismes. Il faut se rappeler que, ultimement, ce que le tribunal va regarder dans un contexte de lésion psychologique, il va voir si une personne raisonnable dans des situations similaires considérerait que cette situation est traumatique, est imprévue et soudaine, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, au niveau du processus de réclamation maintenant de tout ce qui est lésion psychologique. Alors, comme n'importe quelle réclamation pour accident du travail, ça peut être une entorse lombaire, ça peut être une maladie professionnelle, le point de départ, c'est que ça commence avec une réclamation à la CNESST pour accident du travail. On ne fera pas une conférence sur le processus de réclamation parce que ça, c'est une conférence en soi, mais il faut se rappeler par contre que lorsqu'il y a une lésion psychologique, excusez-moi, il y a quelque chose qui sonne là. Bon. Lorsqu'il y a une lésion psychologique qui est déposée, il y a souvent une plainte pour harcèlement psychologique. Alors il faut se rappeler que les deux dossiers peuvent être analysés en tandem. Au niveau de la réclamation pour lésion psychologique, ce que la CSST va offrir, ça va être évidemment certains avantages comme des indemnités de remplacement du revenu, le remboursement et assumer les traitements médicaux. Et si la personne forcément n'est pas capable de revenir au travail, la CNESST va aussi assurer le processus de réadaptation. Donc ça, c'est important de se rappeler. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que lorsqu'il y a une réclamation pour lésion psychologique et pour harcèlement psychologique, ce dont Stéphanie Wachler a discuté, il se peut que la CNESST regarde les deux dossiers dans leur ensemble et que l'enquête en matière d'harcèlement psychologique ait un impact sur l'admissibilité ou non de la lésion psychologique. Alors, dans la gestion stratégique de ce genre de dossier, il faut se rappeler qu'il y a un lien entre les deux aspects et que, ultimement, la stratégie doit tenir compte des deux aspects ensemble. Ça, c'est important parce que, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a un débat qui vise et une plainte d'harcèlement psychologique et une réclamation pour lésion psychologique, et que les deux débats cheminent vers le tribunal, ultimement, pour un appel, ce qu'on voit maintenant, c'est que le tribunal du travail, le tribunal, le TAT, va souvent fusionner les débats parce que malgré que certains critères ne sont pas identiques, les éléments factuels sont les mêmes et les conclusions sont souvent liées les unes aux autres. Ce qu'il faut aussi se rappeler, et Stéphanie en a parlé, c'est que la plainte pour harcèlement au travail est maintenant sujet à une règle de 2 ans, alors que pour tout ce qui est réclamation pour lésion au travail, la norme est de 6 mois de la connaissance que les problèmes médicaux découlent du travail. Donc, il peut des fois avoir une distinction au niveau de comment les délais peuvent être calculés les uns et les autres. Je pense que comme dernier point qui est très, très important et qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est que lorsqu'il y a et une lésion psychologique alléguée et une plainte selon la loi sur la norme du travail, cela va limiter la juridiction du tribunal devant ce que le salarié peut réclamer. Ça, c'est un point important. Alors, je clarifie. Si un salarié dépose une plainte pour harcèlement psychologique et dépose également une réclamation pour lésion psychologique et sa réclamation pour lésion psychologique est acceptée, dans le contexte du débat sur le harcèlement psychologique, cela va retirer au tribunal certains pouvoirs, notamment le tribunal ne pourra plus ordonner à l'employeur de payer le salaire perdu, de payer des dommages et intérêts punitifs et moraux, et de financer le soutien psychologique qui est requis pour ce salarié-là en fonction des problèmes psychologiques et du harcèlement. Donc, cela veut dire que l'employeur se retrouverait en quelque sorte à économiser des sommes potentielles
dans un dossier où les coûts sont directs, parce qu'il assume ces coûts-là par le biais de ses primes annuelles payées à la CSST, dans ce qu'on va appeler un coût indirect. Donc c'est pour ça que cela justifie d'autant plus une gestion stratégique des deux dossiers lorsque vous avez et une réclamation et une plainte pour les et une plainte pour harcèlement psychologique. J'aimerais dire quelques mots maintenant sur la loi 59. Donc la loi 59 est une loi qui a été qui n'est pas encore en vigueur, mais qui a été adoptée en première lecture de façon unanime par l'Assemblée nationale du Québec le 27 octobre 2020. Alors, c'est une loi qui en soi amène beaucoup de changements et pourrait justifier une conférence qu'on fera peut-être éventuellement sur tous les changements, mais en lien avec ce dont on parle aujourd'hui, notamment le harcèlement au travail, il y a deux choses importantes. La première chose qui est importante, c'est que cette loi vient maintenant ajouter à la loi sur la santé et la sécurité du travail, à l'article 51, le concept que l'employeur doit protéger les salariés de la violence physique ou psychologique au travail, incluant la violence conjugale et la violence familiale. Alors, ce que cela veut dire, c'est qu'en mettant cet amendement éventuel à l'article 51, cela donne à la division de l'inspection de la CNESST des nouveaux pouvoirs qui pourraient se traduire par des inspections, des avis de correction, des droits de refus des salariés, des ordonnances et des amendes selon la LSST qui peuvent varier selon la nature de l'amende et la nature de l'infraction. Ce qui veut dire que maintenant, nous avons les normes du travail qui prévoient une plainte, nous avons les accidents du travail qui prévoient une réclamation, et nous avons maintenant une troisième voie de litige potentiel sur la base d'harcèlement au travail qui pourrait mener à d'autres litiges et d'autres situations problématiques. Cet amendement peut aussi dire que, alors qu'aujourd'hui, les réclamations et les plaintes se gèrent avec un délai, je dirais, qui n'est pas super rapide, le fait que maintenant cela pourrait retomber dans les inspections, ça pourrait amener des mesures intérimaires qui vont accélérer la gestion de ce genre de dossier. Donc ça, c'est un aspect de l'amendement. L'autre aspect de l'amendement, c'est que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, lorsqu'une réclamation pour lésion psychologique est déposée, ça s'analyse sous l'égide de l'accident du travail. L'amendement prévoit que à l'annexe qui se rapporte à l'article 29, donc les présomptions de maladie professionnelle au travail, on va rajouter une section où un salarié qui est exposé de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, il y aura une présomption que cette personne-là souffre de troubles de stress post-traumatique. Donc là, on vient créer une maladie présumée lorsque des conditions particulières sont présentes. Alors, ce sont deux amendements qui sont importants. Encore une fois, je répète, pas en vigueur. Différents groupes font des représentations, incluant le Conseil du patronat du Québec. Mais c'est sûrement un dossier à suivre pour voir comment ça va avoir un impact sur les dossiers d'harcèlement psychologique et autres types d'harcèlement. Donc, si on passe maintenant à un nouveau sujet, encore une fois en lien avec le harcèlement au travail. On a parlé des deux plaintes dont Stéphanie a parlé, de la réclamation qui est disponible pour un salarié visé par du harcèlement. Il y a aussi le Code civil du Québec qui, comme on sait, est la loi évidemment maîtresse au Québec. Et généralement, le Code civil du Québec sera invoqué par des employés qui n'ont pas accès aux plaintes statutaires, et pour être franc, c'est très limité. Mais il y a des employés qui, pour des raisons stratégiques, vont aller plutôt vers une poursuite au civil. Et dans ce contexte-là, je vous donne un exemple, un contexte de congédiement déguisé, vont invoquer du harcèlement au travail pour ajouter des dommages aux dommages normaux qu'ils pourraient demander dans un contexte de congédiement déguisé.
Alors, la fondation juridique de ce type de réclamation, évidemment, c'est l'article 2087 qui prévoit que l'employeur doit offrir un environnement à ses employés qui protège la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Donc ça, c'est le fondement de l'obligation de l'employeur qui se retrouve donc également dans le Code civil du Québec. La notion de faute est prévue à l'article 1457 du Code civil du Québec, notamment qui dit de façon très simple que toute personne qui cause un préjudice peut être obligée de le réparer. Et dans certains des articles généraux du Code civil du Québec, notamment l'article 3 et l'article 10 du Code civil du Québec, on retrouve évidemment la reconnaissance l'intégrité de la personne, le respect de son nom, sa réputation, sa vie privée, etc. Donc ce sont d'autres articles qui pourraient rentrer en jeu dans une plainte, dans une poursuite au civil selon le Code civil du Québec. On peut aussi ajouter que dans le contexte d'un recours selon le Code civil du Québec, un demandeur pourrait aussi invoquer les articles pertinents de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, donc des dommages punitifs et moraux, etc., exemplaires. Et sur ce point-là, ce que Stéphanie vous a dit au niveau des pouvoirs de la Commission des droits de la personne, ce sont les mêmes choses, mais ça serait invoqué dans un contexte de poursuite au civil. Sur le délai maintenant, il faut se rappeler que la prescription pour une poursuite selon le Code civil est de 3 ans. Donc, rappelez-vous, plainte aux normes du travail, 2 ans, réclamation pour une lésion psychologique, 6 mois, et maintenant le Code civil, 3 ans. Donc, voici d'autres distinctions qui sont importantes. Il est sûr qu'en termes pratiques, on ne voit pas souvent des poursuites déposées selon le Code civil devant la Cour supérieure ou autre. On voit surtout des plaintes statutaires, mais on peut imaginer que dans des questions de cadre supérieur, avec des enjeux importants, ce sont des éléments qui pourraient être invoqués en invoquant le Code civil avec des poursuites devant les tribunaux de droit commun. Donc cela conclut ce que je voulais vous dire. Je laisse maintenant Jérémy vous parler de certains aspects du droit fédéral. Merci. Merci Patrick. Donc, pour l'aspect fédéral de la chose, nous allons traiter du cadre juridique applicable. Pour vous donner une petite idée de qui se voit assujetti à ces règles, je vous mentionnerai que les employeurs qui sont de compétence ou qui sont de juridiction fédérale devront respecter les règles qui seront discutées un peu plus tard au courant de la présentation. Donc, bien évidemment, vous voyez ici sur la première diapositive les règles applicables dans un contexte de droit fédéral. Et je désirais simplement vous mentionner, avant de débuter, que c'est un survol des nouvelles règles qui s'appliquent, puisque la majorité d'entre vous l'auront probablement entendu. Des nouvelles règles sont entrées en vigueur au mois de janvier 2021. Et donc, plusieurs nouvelles dispositions pourraient s'appliquer aux employeurs de cette juridiction fédérale. Et donc, on vous fera ici un bref survol des règles qui pourraient s'appliquer. Mais bien évidemment, il pourrait y avoir autre chose qui s'appliqueront dans le contexte de votre entreprise. Donc, pour vous donner un bref aperçu, le cadre juridique fédéral antérieur était plutôt fragmenté. Il ne répondait pas adéquatement au cas d'harcèlement sexuel et de violence sexuelle, contrairement à ce que le cadre provincial au Québec pouvait prévoir. Donc, en réponse à cette problématique, le gouvernement du Canada s'est engagé dans les années antérieures à prendre des mesures pour s'assurer que les lieux de travail fédéraux serait exempt de harcèlement et de violence. Donc, dans ce contexte, plusieurs amendements ont été proposés et donc des modifications au Code canadien du travail ont été apportées afin de renforcer le cadre actuel de prévention du harcèlement et de la violence, y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Par ailleurs, dans le cadre des modifications apportées au Code, la partie 20
du règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail a été abrogée. Elle a été remplacée par le règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans les lieux, dans le lieu de travail. Donc, on va aborder brièvement ce que prévoit ce nouveau règlement, puisque de nombreuses obligations y sont prévues pour les employeurs qui sont de compétence fédérale. Donc, ce règlement comprend des dispositions visant notamment à prévenir le harcèlement et la violence au moyen de différents mécanismes que nous aborderons dans le cadre de la présente présentation. Donc, à titre introductif, nous jugeons pertinent de soulever le fait que le vocabulaire utilisé dans le règlement diffère du vocabulaire habituel en la matière. Ainsi, les employeurs de compétences fédérales qui ont des politiques de prévention du harcèlement devraient les revoir afin d'assurer que les termes utilisés demeurent pertinents. Donc, pour vous donner un exemple, on parle parfois en matière de droit provincial de la partie plaignante pour la personne qui soulève un incident, alors que dans le nouveau règlement, cette personne s'appelle la partie intimée. La partie principale est l'employé. Excusez-moi, je recommence sur ce point. Donc, la partie intimée est la personne désignée par le plaignant qui est étant le présumé responsable de l'incident. La partie principale est l'employé qui est l'objet de l'incident. Donc, les modifications au niveau du vocabulaire sont importantes puisque les politiques qui seront adoptées ou qui seront modifiées devront refléter ce nouveau vocabulaire. Par la suite, le règlement prévoit plusieurs obligations pour l'employeur en matière de prévention du harcèlement. Donc, l'employeur, conjointement avec le comité d'orientation, le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité, tout dépendamment du nombre d'employés dans l'entreprise, devra élaborer une politique de prévention du harcèlement et de la violence dans les lieux de travail. Cette politique devra inclure plusieurs éléments, dont notamment les mesures de soutien qui seront offertes aux employés, l'énoncé de mission de l'employeur en lien avec la prévention et la répression du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, un résumé de la formation qui sera donnée en lien avec le harcèlement et la violence, ainsi qu'un résumé du processus de règlement. Donc, une description des facteurs de risque internes et externes au lieu de travail qui contribuent au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail devront aussi être inclus dans cette politique. Donc, sur la diapositive qui est présentement à l'écran, vous avez les principales obligations de l'employeur qui sont prévues dans le règlement. Le règlement comporte plusieurs obligations détaillées qui doivent être respectées, dis-je bien, par l'employeur. À titre d'exemple, l'employeur devra s'assurer de fournir la formation à tous les employés. La formation devra être adaptée à la culture, aux conditions, aux activités du lieu de travail et contenir certains éléments qui sont spécifiquement prévus dans le règlement. Pour vous donner quelques exemples, la formation devra traiter de la façon de reconnaître et de réduire et de prévenir le harcèlement et la violence dans le lieu de travail et comment y donner suite. L'employeur aura l'obligation expresse de transmettre la formation aux nouveaux employés dans les 3 mois suivant la date de début de l'emploi du nouvel employé. Pour les employés qui étaient en fonction au moment de l'adoption du règlement ou plutôt au moment de l'entrée en vigueur du règlement, soit le 1er janvier 2021, l'employeur devra donner la formation à ses employés dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Donc, suivant des consultations en la matière et de l'analyse des acteurs importants qui doivent répondre de ces nouvelles obligations, ces acteurs-là ont mentionné que la formation qui devra être offerte aux employés représentera probablement une des plus grandes obligations de l'employeur
que ce soit au niveau temps, mais aussi au niveau financier pour l'employeur, puisque l'employeur devra s'assurer que tous ses employés reçoivent cette formation et devra donc assurer qu'un formateur soit présent, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et que ces employés-là puissent recevoir la formation sur les heures du travail. Donc, vous pouvez vous imaginer les employeurs qui ont de nombreux employés, la formation ou l'aspect formation du règlement représentera bien certainement un aspect important, que ce soit au niveau financier ou au niveau temps pour l'employeur. Donc, pour la prochaine diapositive, je voulais également vous mentionner que le règlement prévoit les recours qui sont applicables. Il y a un processus de règlement qui s'applique lorsqu'un employé décide de déposer une plainte à l'encontre d'un individu au sein d'entreprise. Donc, la procédure de dépôt des plaintes est bien encadrée dans le règlement et elle doit permettre qu'un avis d'incident, donc c'est ce qu'on appelle une plainte, on l'appelle l'avis d'incident dans le contexte du règlement qui a été adopté, on doit permettre que cet avis d'incident-là soit donné oralement ou par écrit. Ce qui veut dire que pour les employeurs qui avaient déjà une politique en matière de prévention du harcèlement, qui prévoyait que la plainte devait être déposée de manière écrite uniquement, devront revoir leur politique afin d'assurer qu'elle est conforme au nouveau règlement. Donc, cette plainte-là, elle peut être versée par écrit ou de façon orale et le règlement exige le respect de certains délais en la matière quant à la tenue de l'enquête suivant le dépôt de la plainte. À titre d'exemple, l'employeur ou le destinataire désigné devra, dans les 7 jours suivant la date à laquelle l'incident est donné, l'avis d'incident est donné, il devra communiquer avec la partie principale, qui est ici l'employé qui a déposé la plainte, afin de l'informer de certains éléments prévus par le règlement. Donc, on voit déjà, dès le début, des délais qui sont très stricts et des délais qui arrivent très rapidement, et l'employeur devra bien évidemment s'y conformer. Donc, je désirais aussi vous mentionner que le règlement met l'accent sur la conciliation et démontre une intention claire du législateur de favoriser les règlements rapides et la discussion comme mode de résolution des plaintes. Donc, lorsque l'employé ou lorsque la partie principale dépose l'avis d'incident, l'étape 2 est une étape de tentative de résolution, donc entre la partie plaignante et la personne qui est l'intimée ou la mise en cause dans ce cas-ci. Et puis, si ultimement il n'y a pas de règlement qui est intervenu entre les parties, l'employé peut toujours décider d'aller à l'étape suivante, qui est l'étape de l'enquête. Et fait important à mentionner, si au courant de l'enquête, l'employé désire retourner à la portion précédente, soit une tentative de négociation, une tentative de résolution de la problématique, il peut toujours retourner, l'employé peut toujours demander de retourner à la portion précédente, jusqu'au moment où l'enquêteur dépose son rapport. Lorsque l'enquêteur dépose son rapport, à ce moment-là, il n'y a plus possibilité de retourner sur les étapes précédentes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'employeur devra respecter certains délais et devra aussi s'assurer que l'enquête ou le processus est complété dans un délai d'un an suivant la date à laquelle l'avis d'incident a été déposé. Fait important à mentionner, les modalités quant au choix de l'enquêteur sont prévues au règlement, notamment lorsque l'employeur et le partenaire concerné ont élaboré ou sélectionné conjointement une liste de personnes qui pourront agir comme enquêteur. Donc, l'employeur, en collaboration avec les parties concernées, pourra choisir une personne parmi la liste et cette personne-là sera l'enquêteur pour, dans le contexte de l'enquête qui devra être complétée.
a mentionné que l'enquêteur ou le règlement prévoit certaines compétences que l'enquêteur doit avoir afin d'agir de la sorte. Donc, il doit notamment connaître les lois applicables en la matière. C'est important de le dire puisque si la politique ou la documentation pertinente ne prévoit pas la liste d'enquêteurs qui peuvent être désignés pour procéder à l'enquête, les parties pourront et devront discuter et trouver un terrain d'entente afin de déterminer quel sera l'enquêteur et l'employé aura son mot à dire dans ce contexte-là. Donc, les employeurs pourraient et devraient considérer mettre en place une liste d'enquêteurs qu'ils jugent compétents en la matière pour pouvoir procéder ainsi aux enquêtes. Fait important à mentionner aussi, vous voyez ici, des employés qui étaient des anciens employés de l'entreprise pourraient déposer un avis d'incident 3 mois suivant la terminaison de leur emploi. Donc, c'est une modification au cadre applicable. Finalement, l'enquête se conclut, comme je vous le disais, par le dépôt d'un rapport. Et ce rapport-là devra être remis aux parties impliquées, soit la partie plaignante et la personne mise en cause. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que les renseignements qui doivent être incorporés dans le rapport sont également prévus par le règlement. Donc, le processus de règlement, lorsqu'il est terminé, on le considère terminé lorsque l'employeur a mené à terme l'enquête et lorsque l'employeur met en œuvre les recommandations. Par conséquent, il n'y a aucun processus d'appel en vertu du code ou du règlement si l'individu n'est pas satisfait des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport d'enquête et si l'individu estime que l'enquête était déficiente. Or, l'individu pourrait tout de même être en mesure de soumettre une demande de contrôle judiciaire de l'enquête à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la réception du rapport d'enquête. Donc, ceci englobe et fait un survol, bien évidemment, ou tel que mentionné précédemment, des nouvelles règles applicables en matière du Code canadien du travail et du règlement d'application. Si vous avez des questions, il vous fera bien évidemment plaisir d'y répondre suivant la présentation ou à tout moment. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions à cet effet-là. Donc, pour poursuivre, je m'excuse, j'ai sauté les diapositives. Donc, pour poursuivre, dans le contexte du droit fédéral, la loi canadienne sur les droits de la personne trouve aussi application aux employeurs qui sont de juridiction fédérale. Donc, un peu dans la même veine que Stéphanie a mentionné, le harcèlement dans le contexte de la loi canadienne sur les droits de la personne se résume comme étant une forme de discrimination. Donc, il peut s'agir de tout comportement physique ou verbal indésirable qui pourrait humilier une personne. Donc, en général, dans le contexte de cette loi particulière, le harcèlement est un comportement qui persiste au fil du temps. Et puis, c'est un peu dans la même lancée que ce qui est prévu par les chartes en matière de droits des personnes au niveau provincial. Par ailleurs, les incidents ponctuels graves pourraient parfois être considérés également comme du harcèlement. En outre, le harcèlement prohibé par la loi canadienne sur les droits de la personne est celui qui se fonde sur un des motifs de discrimination listés sur la diapositive qui est présentement à l'écran. Donc, un peu comme en matière de droit provincial, le harcèlement qui se fonde sur un des motifs de discrimination prévus à la loi pourrait être considéré comme étant du harcèlement. Pour vous donner un exemple, un employé qui fait des remarques ou des blagues inopportunes sur la race, la religion, le sexe, l'âge de son collègue pourrait être considéré si les autres critères sont rencontrés comme étant du harcèlement au niveau du travail. L'employeur demeure irresponsable de toute situation de harcèlement en milieu de travail dans un contexte de cette loi particulière. Il doit prendre les mesures appropriées à l'égard de tous les employés qui pourraient être victimes de harcèlement.
Donc, c'est un peu à l'instar de ce que Stéphanie nous disait, c'est les règles qui sont similaires et qui pourraient se trouver application d'une façon qui est cohérente avec ce qu'on prévoit par la Charte québécoise. Donc, l'employé qui estime avoir fait l'objet d'harcèlement dans le cadre de son emploi pourra déposer une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne et cette plainte devra être déposée dans les 12 mois suivant l'acte ou le traitement discriminatoire. Ici, on parle du harcèlement. Donc, ceci étant dit, je fais la distinction entre un employé qui est un employé syndiqué et un employé non syndiqué. Donc, l'employé non syndiqué déposera cette demande ou cette plainte à la Commission canadienne et puis la Commission canadienne traitera la plainte et pourra décider si ultimement la plainte sera soumise au tribunal des droits de la personne en matière de droit fédéral. Ceci étant dit, l'employé, puis on peut le voir sur la diapositive, l'employé dans un contexte qui est dans un contexte d'emploi avec un syndicat, donc il est syndiqué, la commission pourra à certains moments décider de dire ben, la plainte, le plaignant a accès à d'autres procédures d'appel ou un règlement de grief, soit en vertu de la convention collective, et donc ainsi refuser de transmettre la plainte de l'employé au tribunal des droits de la personne. Donc, ce qui m'amène à dire, pour les employés syndiqués, dans un tel contexte, l'employé devra se référer, l'employeur devra se référer au processus établi par la convention collective et ainsi respecter les délais qui sont prévus et la procédure applicable dans ce contexte. Donc, ceci fait le tour des règles applicables en matière de droit fédéral. Bien évidemment, tel que mentionné un peu plus tôt, c'est un survol des règles qui peuvent trouver application pour les employeurs qui sont de compétence fédérale. Plusieurs autres règles, plusieurs autres obligations se trouvent dans les lois et règlements spécifiques, donc, dont notamment les modifications au Code canadien du travail. Et s'il y avait une chose importante à retenir pour les employeurs, c'est que la politique de prévention du harcèlement devra être mise en place s'il n'y en a pas déjà une en place au sein de l'entreprise. Et s'il y en a une, elle devra être modifiée afin de s'assurer de respecter les nouvelles exigences prévues par le Code et le règlement et ainsi permettre notamment un processus d'enquête rigoureux qui pour lesquels les étapes sont clairement définies dans le règlement. Ceci me permet de vous dire ou de sauter à la prochaine section, portion de notre présentation concernant l'enquête de manière générale. Et puis, pour cette portion de notre présentation, on vous suggère une composante question-réponse pour permettre à tous de pouvoir bénéficier des judicieux conseils de Patrick et Stéphanie en matière d'enquête dans un contexte de milieu de travail. Donc, sur ce, je vais retirer les diapositives afin de nous permettre de discuter des sujets, d'un sujet très important qui est le sujet d'enquête dans le contexte de harcèlement psychologique. Donc, ma première question irait vers Stéphanie. Donc, on a entendu au départ les indications quant au cadre législatif provincial. En pratique, qui devrait performer ou qui devrait tenir l'enquête en matière de harcèlement dans le contexte du milieu de travail? So it's a very good question, Jeremy, one that we definitely get very often. So when an employer is faced with a harassment complaint, and as I said previously, as part of their obligation to put a stop to harassment, they will have to investigate. So the question always is, who is the best person to do the investigation? Now, it can be the employer itself, so somebody within
the company that can do it, but it can also be a third party investigator if the matter warrants it. So there's different factors that we'll look at in deciding who would be the appropriate investigator in the matter. So first of all, we'll look at the policy of the employer. As I said before, all companies should have policies in place as it relates to harassment and the complaint mechanism that can be followed. And it's very possible that there would be something in the policy as it relates to the investigator that would perform the investigation. So we want to make sure that, of course, we're in line with the policy and what the company set out to do. So firstly, we'll look at the policy. Second, we'll, of course, consider whether or not the individual has any specialized knowledge as it relates to harassment harassment based on grounds of discrimination, as I said. So depending on the nature of the allegations, it'll be important to ensure that we're choosing the right individual to do the investigation that has the knowledge necessary to be able to do it and make an informed decision later on based on the facts as to whether or not there was harassment. The other important factor, and this came up not too long ago in one of our files, is you need to consider the identity of the complainant as well as the respondent. So, of course, the investigator should not have any personal or any other type of relationship with either of the individuals concerned. You want to ensure that there's no perception of bias. And the respondent really should be in a position, should not be in a position that they make any decisions about the investigator's terms of employment. So a very easy example is if, for example, the respondent is somebody of a senior level within the company, and the employer is contemplating having somebody below that individual do the investigation, then of course that wouldn't necessarily be the best decision, as there could be a perception of bias, conflict of interest, and everything else. So that is something else we'll consider. If the complaint involves a member of senior management, then it might be just by virtue of the individual's position to select an external investigator. So again, the seriousness or the nature of the allegations, as well as the individuals who are concerned by the allegations, might result in the best investigator being somebody from external. So nature of the complaint as well as the individual's concern. Lastly, and it might seem like a very obvious comment, but it's the timing of the investigation. So as we said, it's very critical, and Patrick will touch upon this as well, so I won't talk about this, but it's very critical that the investigation be done efficiently, that it not be delayed. So it's important that when you're choosing an investigator, that you ensure that the investigator has the time to actually do the investigation within a reasonable amount of time. We had a situation recently where the investigator happened to be somebody who was very busy, and the meetings took place in very long intervals, which caused some issues in the investigation. So you want to make sure that the person has the time to be able to do it. So just to sum up, as I said, you want somebody who's knowledgeable, who's competent, and again, Patrick will probably touch upon this, but impartial and objective and neutral. So even if you are choosing somebody who is within the company, you need to ensure that the individual can fulfill this role, even though that individual is somebody within the organization. That sums it up. Merci, Stéphanie. Donc, une fois où à partir du moment où on a déterminé qui serait l'enquêteur, Patrick, ma question pour toi est, lorsque tes clients t'appellent, quelles sont les meilleures pratiques en matière d'investigation ou d'enquête en matière de harcèlement au travail? Quelles sont les meilleures pratiques que tu conseilles à tes clients pour que cette enquête soit menée à terme? Merci, Jérémy. Alors, regarde, pour revenir un peu sur ce que Stéphanie disait, il est sûr qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les différentes plaintes, les différents recours qui existent, et on parle un peu des moyens de défense, l'enquête devient un élément important dans la stratégie d'un dossier d'harcèlement. Et je dois te dire franchement que de plus en plus, le choix de la personne qui fait l'enquête devient un choix important. Et de plus en plus, à part les dossiers simples avec très très peu d'enjeux, la norme devient de plus en plus d'aller vers des enquêteurs indépendants qui savent ce qu'ils font.
D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans d'autres juridictions canadiennes et aux États-Unis où il y a carrément un secteur d'enquêteurs qui s'est créé. Pour faire le lien avec ta question, il est sûr que quelqu'un qui fait les enquêtes, quelqu'un qui comprend son rôle, quelqu'un qui sait qu'éventuellement le rapport d'enquête, l'enquête elle-même peut devenir l'objet d'un litige et de témoignages, etc., c'est quelqu'un qui va savoir comment se préparer. Donc la première étape, c'est préparer l'enquête, savoir comment je me prépare. Compréhension du dossier, compréhension des documents, connaissance des politiques, mise en contexte de la plainte par rapport à tout ce qui est particulier à l'entreprise. Et évidemment, avoir les habiletés et les ressources intellectuelles et techniques et technologiques pour faire l'enquête. Donc ça, c'est un point qui est très, très important. Et ensuite, préparer un plan. Le plan, ça va être quels sont les documents que je dois regarder, qui sont les personnes que je dois rencontrer, où est-ce que je dois tenir l'enquête. Et c'est quoi la cadence? Parce que la cadence devient un point important. Si l'enquête vise un haut dirigeant de l'entreprise qui doit être en suspension pour fin d'enquête, etc., le temps devient important parce que le temps cause des dommages. Le retrait de l'environnement peut causer un dommage. Donc, tout ça devient un point important. Donc, ça, c'est au niveau de la préparation. Évidemment, la personne qui est visée par les allégations, généralement, sauf situation vraiment particulière, cette personne-là sera mise en suspension pendant l'enquête avec solde, généralement. Il y a des exceptions, mais elles sont plutôt rares. Ce qui veut dire que la personne ne travaillera pas. Elle ne sera pas disponible, elle ne pourra pas répondre aux clients, aux collègues, aux gestionnaires, etc. Donc, si c'est quelqu'un qui a un rôle important, ça cause certains défis. Il y a des situations où des mesures intérimaires peuvent être mises en place sans suspendre. Alors, on a eu des situations où les gens travaillaient dans différentes juridictions, différents bureaux. Et là, c'est plausible de ne pas suspendre et de mettre des mesures intérimaires sans suspendre. C'est quelque chose à considérer. Au niveau des entrevues, évidemment, l'enquête nécessite la rencontre avec des personnes visées, présumées harceleurs, présumées victimes, mais aussi des témoins. Et c'est important que toutes ces personnes-là comprennent ce qu'on attend d'elles, quelles sont leurs obligations et quelles sont les prochaines étapes. Et ça, c'est important que l'enquêteur soit quelqu'un qui l'exprime, ça veut dire des lettres qui les convoquent, expectatives sur ce qu'elle sera l'objet de la rencontre, mais aussi qu'est-ce qui est attendu de ces gens-là pendant qu'ils attendent de se faire parler et après qu'ils se sont fait parler. Discrétion, confidentialité, ne pas s'ingérer dans l'enquête, ne pas essayer d'influencer les témoins, etc. Ça fait partie aussi du processus. Et évidemment, quand on parle autant de la personne visée par la plainte que par le ou la plaignante, évidemment, il y a aussi une façon de faire l'enquête pour que la personne qui a fait la plainte sente que cette personne-là a été entendue, que sa plainte est prise sérieusement, qu'il y a des mesures intérimaires qui sont mises en place pendant que l'enquête se poursuit, etc. Pas de représailles, donc ça c'est important. Mais la personne aussi qui est visée par la plainte doit aussi sentir que cette personne-là a le temps de donner sa version, de compléter sa version, de fournir des documents, etc. Et sur ce point-là, généralement, quelqu'un qui fait une enquête qui est bonne va aviser dès le départ les personnes visées par l'enquête de ne pas détruire de documents. Et quand je dis documents, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout renseignement. Texto, chat, WhatsApp, ou Facebook, on voit aujourd'hui que les gens communiquent de plusieurs façons, avec des mots, des images qui disparaissent, des emojis. Alors tout ça dans un contexte d'enquête peut devenir très très important. Je pense que le dernier point, évidemment, c'est lorsque l'enquête est conclue, le rapport d'enquête doit être bien fait. Le rapport d'enquête n'est peut-être pas divulgué aux premières étapes, mais peut devenir un élément important dans un contexte de litige. Et donc, c'est important que la personne qui rédige le rapport d'enquête comprenne les concepts de droit. Et des fois, des employeurs vont demander à la personne qui fait l'enquête des recommandations sur des mesures disciplinaires, des mesures administratives, du coaching, etc. Donc, c'est important que le mandat ait une corrélation importante avec le rapport d'enquête. Et je vous dirais franchement, lorsque moi je fais des dossiers de ce genre-là,
Je parle avec l'enquêteur et je mets mon chapeau de plaideur pour savoir si cette personne-là serait un bon témoin. Et je peux vous dire que dans certains dossiers, on a eu des enquêtes qui ont été très bien faites et dans d'autres dossiers, on a eu des enquêtes qui ont causé plus de dommages que de faire quelque chose qui était constructif. Alors, il faut faire attention avec qui on fait enquête et aussi comment est-ce qu'on donne le mandat. Et moi, ce que je vous dis, c'est que généralement, l'employeur a besoin d'un avocat qui défend ses intérêts et d'un enquêteur qui est là pour faire son travail. D'essayer d'amalgamer ces deux rôles, à mon avis, est dangereux. Et je pense qu'il faut être très, très prudent, surtout dans des dossiers qui sont plus complexes, où il y a des enjeux plus importants. Un dernier mot sur les enquêtes à l'ère de la COVID. Donc, on va appeler ça des enquêtes virtuelles. D'abord, je pense que les enquêtes qui se font aujourd'hui sur Teams, sur Zooms, vont sûrement être là pour rester. Comme les audiences, comme beaucoup de choses que l'on voit aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé une efficacité dans les nouvelles technologies qui vont être modulées pour l'après-COVID, mais c'est là pour rester. Alors, pour les enquêtes virtuelles, évidemment, on recommande qu'il n'y ait pas de délai à cause de tout ce qui est virtuel. Donc, aujourd'hui, l'excuse de dire on ne peut pas se voir, on doit retarder, ça ne marche pas. Ce n'est pas acceptable. Deuxièmement, un enquêteur devrait s'assurer qu'il a les technologies pour le faire. Il est encore très difficile de voir des gens qui ne savent pas utiliser un bouton mute, un bouton vidéo, Teams, Zoom. On le voit souvent en cours, il y a des avocats encore aujourd'hui qui ne savent pas comment utiliser un téléphone. C'est le temps de se mettre à jour. Et toute personne qui fait l'enquête pour vous doit être à jour. Avoir les technologies, savoir comment les utiliser, partage d'écran, etc. Et doit absolument utiliser la vidéo parce que dans un contexte d'enquête, tout le non-verbal, l'hésitation, le regard devient des éléments de crédibilité qui sont importants. Et donc, c'est ça nos recommandations pour ce qui est des enquêtes virtuelles. Alors voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup, Patrick. Très intéressant. Ma prochaine question est pour Stéphanie. So I think you spoke about it in the first portion of this of our presentation. But why is it so important for employers to investigate? Yeah, so I did touch upon that at the beginning. Really, it's critical for employers to investigate, firstly, because, as I said, under the Labor Standards Act, part of the employer's obligations is to put a stop to harassment when they become aware of it. Now, of course, as I said, how do you put a stop to harassment when you become aware of it is first you need to investigate. So investigation is very critical as it relates to mitigating the employer's liability under the Labor Standards Act. Now, for harassment complaints under the human rights legislation, how the investigation was conducted, so of course it has to be conducted, and then how the investigation was conducted can have a direct correlation on the employer's liability. So essentially, the tribunal will consider whether or not the employer actually conducted a reasonable investigation, and they're going to consider many different factors. One is, was the complaint taken seriously? So did the employer, as I said, did they sort of, you know, put it under the rug, or did they take it seriously, whether it be serious allegations or more minor allegations? The tribunal will also consider whether they dealt with the matter promptly and in a sensitive way. I think Patrick sort of touched upon this, but you have to be sensitive and discreet in doing the investigation. That'll come into play in terms of who's doing the investigation as well and who are the individuals involved. Of course, whether or not the company reasonably investigated and acted on the situation based on the conclusions of the investigation. So did they bring about a reasonable resolution? And this, whether or not the investigator ultimately deems there to be a harassment or not. It's very important that the employer deal with it, have some resolutions to the situation in all cases. Another thing to consider is if the complainant was not at work during the investigation phase, having a return to work protocol in place, make sure that, you know, the individual feels comfortable to come back. Again, whether or not ultimately it's deemed to be harassment, these factors are important, and they will be considered by the courts in determining whether or not the company actually fulfilled their obligation. And of course, last but not least, they'll look at whether or not they communicated the findings and actions to the individuals involved.
So again, there has to be closure to the investigation. And this, again, all forms part of their obligations to actually investigate in order to mitigate and potentially eliminate their liability under the applicable legislation. Thank you, Stephanie. So I have one last question for Patrick. I know that you've helped clients with cross-border investigations. Could you please tell us about the main challenges employers face when having to conduct cross-border investigations? Since March 2020, the good news is that we no longer have any challenges about corporate retreats that create harassment situations because no one is going anywhere and no one is traveling. But we did have in the past, before COVID, situations where employees from various jurisdictions would end up meeting for a retreat somewhere. It would generate some events, and those events would generate complaints. So you would end up having the presumed harasser in one country, the presumed victim in another country, all working for the same company with allegations of harassment. So, you know, we've had those cases. And then typically what we do is we would normally pick the investigator in the place where the employee complainant is, because that's where the liability would normally arise. But given that there may be consequences for the presumed harasser, we would also adjoin ourselves local counsel for where the harasser is. So that's an example of situations where you want to have the right people in the right places because the liabilities can affect different jurisdictions. Stephanie touched upon the fact that harassment can be done virtually. In other words, you know, a group of managers can be on a Zoom call for a meeting, and one manager can speak to a peer or to a subordinate in a way that can be harassment, and that can create the same problems. So while we do not travel anymore with our feet, we travel with our image and our voice, and we can create issues that way as well. So these are not obsolete considerations, and I think they're going to become more relevant in that it is expected that the new world order is going to be, even once we travel, more meetings on video, more of these global meetings where a situation of harassment or humiliation or bullying can now expose someone to not one person, but 100 people. So this is very, very relevant. And I think the important thing is to always think about jurisdiction, local counsel, where to have the investigator, language barriers as well. And that is something that we see regularly. And making sure that that team, which comes from different jurisdictions, is working together and really in line with understanding the laws of each one another and the other. Merci beaucoup, Patrick. Très intéressant. So, Jeremy, I think this is the part where I take over from you, correct? That's correct. Very good. So, I think that it is always interesting for clients to understand a bit more what we tell you in terms of illustration. In other words, are what we are telling you just concepts, or does it really happen in real life? Alors, Jeremy, on va parler un petit peu de jurisprudence. Et je sais que tu as fait un survol de la jurisprudence récente en droit québécois. Et parlons un petit peu des cas que tu as lus récemment, des cas récents là, qui sont importants et qui traitent de la notion de harcèlement au travail. Merci Patrick. Oui, effectivement, donc j'ai fait un survol et j'ai regardé la jurisprudence applicable en la matière dans les années 2019-2020 pour vous donner une bonne idée ou une illustration de ce qu'est du harcèlement, ce que n'est pas du harcèlement. Donc, ça, on revient un peu à ce que Stéphanie nous disait précédemment en matière de la loi sur les normes du travail, ce que constitue du harcèlement en milieu de travail. Donc, la première décision que j'ai répertoriée s'intitule « Desrochers et Bombardier Produits et Créatifs Inc. » Dans le cadre de cette audition, le plaignant reprochait plusieurs éléments à l'employeur. Donc, par exemple, il lui a demandé... L'employé alléguait qu'il était sujet à du harcèlement parce que l'employeur lui demandait de monter son jeu d'un cran pour qu'il soit plus efficace dans son travail. Il prétendait également
que l'employé lui avait dit, je vais te mettre dehors dans un contexte de rencontre disciplinaire. Et puis, il prétendait que le fait que l'employeur lui ait demandé des raisons pour lesquelles il devait s'absenter pour une prise de sang constituait ultimement du harcèlement au milieu, dans le contexte du travail. Et puis, lorsque le tribunal en est venu à l'analyse de ces motifs, il a constaté, ou le tribunal a constaté, qu'il était plutôt en présence d'un exercice normal des droits de la direction. Donc, comme on vous disait au départ, l'employeur a tout de même le droit de gérer son entreprise dans les balises de la législation applicable ou dans le cadre juridique applicable. Donc, il peut prendre des décisions pour mettre en place certains aspects ou certains enjeux qui sont importants pour lui. Et donc, les décisions de l'employeur qui sont prises dans le respect de l'employé et qui constituent l'exercice normal des droits de la direction ne sont pas du harcèlement. Ce qui est important ou ce qui est intéressant de cette décision-là aussi, c'est que le tribunal dit que, bien entendu, l'employeur n'a pas à être parfait. Il doit respecter les limites du raisonnable. Il doit respecter le droit applicable. Le fait d'utiliser parfois certains jurons ne font pas en sorte que automatiquement il s'agit de harcèlement psychologique. Donc, cette décision-là était intéressante à mon avis pour illustrer ces principes-là. La deuxième décision que j'ai répertoriée, il s'agit de la décision de syndicat de l'enseignement de la Rive-Nord et commission scolaire de la Rive-Nord. Donc, cette décision-là est rédigée dans un contexte, dans un environnement où il y a un syndicat. Donc, c'est un arbitre de grief qui rend la décision. Et on saisit cet arbitre de 5 griefs pour notamment une plainte à l'encontre d'harcèlement contre un employé. Donc, cet employé dont on parle dénonçait le harcèlement psychologique dont il alléguait avoir fait l'objet et on reprochait à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations d'enquête relatives aux allégations de harcèlement. Et en somme, le tribunal est venu dire que ce qui s'était passé dans l'entreprise ne constituait pas du harcèlement, mais plutôt des relations difficiles entre le plaignant et la direction qui étaient assimilables plutôt à un conflit interpersonnel en milieu de travail. Donc, l'arbitre vient faire une distinction en disant ici, il s'agit d'un conflit entre deux personnes où il y a une conduite bilatérale et puis l'objet du litige et la mésentente entre les deux parties. Donc, les deux parties ont des opinions divergentes et on n'arrive pas à s'entendre. Donc, il s'agit plutôt d'un conflit interpersonnel et il ne s'agit donc pas du harcèlement psychologique en milieu de travail. Donc, un peu comme on disait précédemment, l'employeur n'est pas automatiquement condamné à ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention du harcèlement psychologique. Encore faut-il que l'employé soit en mesure de prouver qu'il a subi du harcèlement en milieu de travail et un conflit, un tel conflit interpersonnel dans le contexte du travail ne représente pas automatiquement du harcèlement. Et puis, finalement, la dernière décision qui va un peu dans le même sens, il s'agit de la décision Mambro et Tigerback International qui fait l'objet présentement d'un appel à la Cour d'appel du Québec. Donc, il sera intéressant de voir les développements en la matière, mais ultimement, c'est encore une fois où l'employé allégué avoir fait l'objet, évidemment, de harcèlement en milieu de travail. Et la Cour et le tribunal viennent mentionner qu'il n'y a aucun des éléments soulevés par le plaignant, dont notamment son congédiement. Puis pour vous donner un peu plus de faits sur ce qui s'était passé, l'employé ou l'employeur avait décidé de réduire le salaire de l'employé et puis de modifier ou de limiter les déplacements de l'employé dans le cadre de son travail. Et le tribunal vient dire, ultimement,
l'employeur, lorsqu'il respecte le cadre applicable et qu'il fait des modifications aux conditions de travail de son employé, il n'y a pas automatiquement une conclusion qu'il s'agit du harcèlement, mais bien évidemment, encore une fois, du droit de l'employeur de gérer son entreprise. Et puisque cette gestion d'entreprise-là avait été faite correctement dans ce cas-ci, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement et donc que l'employeur n'était pas responsable dans ce contexte-là. Merci Jérémy. Pour ceux qui disent que que les tribunaux sont pro-employés, je pense que tes cas nous démontrent peut-être le contraire. Mais bon, comme avocat patronal, tu as pris ce qui était ce que nos clients aimeraient entendre. C'est très bien. Stephanie, we know that there are cases where there is harassment and in which the employer acts quickly and really is diligent as soon as they hear about it. So can you tell us a bit about how do you defend a case of harassment and how do you use your diligence in that regard? Absolutely. So try not to repeat too much of what was said by both of you as well as myself, but there's two ways that a complaint for harassment can be refused and for which an employer can defend themselves. One is, of course, seems obvious, but they could demonstrate that the behavior itself was not harassment. And as Jeremy just demonstrated to us with the case law that he has, is that there are certain defenses, for example, legitimate exercise of employers' management rights does not constitute harassment, normal workplace conflicts, I mean, it happens all the time, so that doesn't necessarily amount to harassment. Or what I've seen, I just had a file recently where there was personal interrelations between two colleagues and one colleague alleged harassment towards the other one, and ultimately following the investigation, it was shown that really it was just a personal relationship that they had and that was resulting in issues in the workplace. Now, second, and I feel like I can just only drill it into our clients' heads so much, but it's demonstrating that the employer did what it needed to do to prevent harassment and put a stop to it. Now, I could say that I think one of the biggest surprises that companies and clients have when we talk to them about this is when we explain to them that there are cases, we've seen cases, and it is definitely common, that ultimately the tribunal has said that there is harassment. So they haven't been able to demonstrate that it was, you know, legitimate exercise of their rights or conflict at work. And ultimately the court did decide that there was harassment in the first place, fulfilling all of those different components, but ultimately refused the complaint on the basis that the employer fulfilled their obligation. And again, their obligation is prevented and put a stop to it. So just to reiterate what I said previously, because I think it is very important to say this, is that they'll look again. Is there a policy? How was the policy applied? Is it actually being implemented? They'll look at whether or not the employer had knowledge of the violation. So do they have the proper mechanisms in place to be able to detect these situations? They'll look at, again, was the employer diligent in responding to the allegations? How was the complaint handled? Were the appropriate people addressed in the complaint? So the appropriate stakeholders, whether it be senior management or not, but were the appropriate people involved? Did they take corrective and administrative matters or disciplinary, if appropriate in the circumstances, once the investigation was completed and they understood what was at stake? And ultimately, again, you know, what was the employer's attitude towards the victim? And again, whether or not there is harassment or not. So the courts will consider all of this, and these are, you know, exactly what, as Patrick said, when we put our hats on as litigators, this is what will come forward and we'll want to be able to demonstrate on behalf of our clients rather than just focusing on, you know, whether or not there was harassment. So these are quite critical in those files. Stephanie, thank you very much for those clarification, and I'm sure that our clients will appreciate that. I mean, just some final words. You know, obviously, what we see in Quebec in terms of harassment is happening across Canada in multiple provinces. Our colleagues from the Stegman Elliott offices in Ottawa, Toronto, Calgary, and Vancouver
deal with these cases as well, subject to their own rules. For example, in Ontario, there was a case recently rendered in 2019 where the Court of Appeal did not recognize that it was a tort of harassment, but recognized that damages can be awarded when there is demonstration of what they call IIMS, which is the acronym for intentional inflict of mental suffering, which means that the plaintiff establishes that the conduct was flagrant and outrageous, was calculated to harm the plaintiff, and caused the plaintiff to suffer a visible and provable illness. So to our clients who have issues across Canada on harassment, it's important to know that, you know, there are different concepts that apply, and of course the Steigman-Elliott team is always ready to assist you in that regard. I want to finish by, of course, thanking all of you for joining in this new virtual mode. I want to thank Stephanie, Jeremy, and if you have any questions, we are happy to take them. Je voulais remercier tous ceux qui sont présentés dans notre nouveau mode de conférence virtuelle. On a bien hâte de vous revoir en personne lorsque le temps sera approprié. Je vous remercie au nom de Jérémy, Stéphanie et moi-même.